Le 7 avril, c'est le début du génocide des Tutsis. Il a duré du 7 avril au 17 juillet 1994. La veille au soir, le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Habyarimana est abattu par des extrémistes hutus qui contrôlent l'armée rwandaise que la France soutient. C'est le signal d'abord de la prise du pouvoir par ces extrémistes, qui commence dès la nuit du 6 au 7 avril par l'assassinat de la première ministre et d'autres personnalités, et l'attaque manu militari de leurs adversaires, qui eux sont partisans d'un gouvernement d'union nationale. Dès le 7 avril au matin, ces extrémistes hutus déclenchent le génocide des Tutsis, et bientôt ça se déroule dans le pays tout entier. Dans notre livre, on montre comment Mitterrand et ses proches, pour maintenir le Rwanda dans l'orbite française, ont entériné la formation du gouvernement extrémiste et ont couvert politiquement ces exactions.